Bonjour, nous allons rencontrer aujourd'hui Eliette Abécassis qui nous parle de son livre « Une affaire conjugale » paru chez Albin Michel. Alors c'est parti, on y va. Bonjour Eliette Abécassis. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer et votre livre « Une affaire conjugale » paru chez Albin Michel a été vraiment un de mes gros coups de cœur de cette rentrée. Donc c'est pour ça que je suis très contente de vous rencontrer. C'est une histoire de couple et plus exactement de séparation. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre personnage principal, votre héroïne Agathe ? Oui, alors Agathe, c'est une jeune femme d'aujourd'hui qui écrit des paroles pour des chansons, elle est parolière et elle est mariée, elle a deux enfants et elle va se retrouver en fait en plein cataclysme dans le processus de séparation avec son mari, le divorce et dans cette épreuve initiatique, elle va non seulement découvrir la face cachée de son conjoint, mais aussi elle va se découvrir elle-même et elle va vivre cette aventure terrible, décrite quand même d'un point de vue tragicomique, parce que c'est tellement tragique que ça devient drôle parfois, d'une façon particulièrement extrême, exacerbée, et elle va en ressortir profondément changée. Alors on vous suit très très facilement et dans sa tête et dans son cœur. On la rencontre amoureuse de son mari. On la suit tout au long de son histoire, comme vous l'avez dit, pas drôle mais parfois comique effectivement. Et quand on la quitte, elle est plutôt sereine. J'aimerais bien que vous nous expliquiez comment vous arrivez à nous faire rentrer comme ça dans la psychologie de vos personnages pour nous emmener justement dans leurs aventures avec eux. Alors, c'est vrai que le point de vue, c'est celui de cette femme. C'est un point de vue résolument féminin, intérieur, intimiste. J'essaye de rentrer au plus profond de la psychologie du personnage, des personnages, de me les montrer dans toute leur complexité, parce que Agathe, elle va se révéler capable de faire des choses qu'elle ne croyait jamais pouvoir faire. Et j'adopte effectivement un point de vue très intérieur pour être au plus près des émotions des sensations, comme si vraiment on rentrait dans la peau de ce personnage et on se mettait à vivre avec elle toute cette aventure. C'est en fait le défi romanesque, quoi. C'est de bâtir quelque chose de vrai, de construire du vraisemblable et de la fiction. Et c'est la fiction romanesque, c'est la magie du roman que de prendre la main du lecteur et de l'entraîner dans cette histoire de telle façon à ce qu'il en soit captif et qu'il ne puisse plus faire autrement que de tourner les pages parce qu'il a envie de savoir voilà, ce qui va se passer et qu'il s'est identifié au personnage. Et pour ça, en fait, je puise dans quelque chose d'assez personnel, d'assez subjectif, mais aussi dans l'universel humain. C'est-à-dire, tout le défi du roman, c'est de passer du singulier à l'universel et d'arriver à décrire finalement ou à témoigner de ce que tout le monde ressent, mais à travers des histoires particulières et singulières. Vous allez pouvoir devenir experte en relations conjugales. Ouais. Alors justement, si vous aviez des conseils ou si vous aviez des questions sur Confidentiel, quel pseudo choisiriez-vous ? Alors, je pense que sur ce thème-là, je choisirai le pseudo Hera, H-E-R-A, d'après le nom de cette déesse romaine qui est la déesse du foyer. Ce serait drôle. Bien. Ce serait sympa. Merci beaucoup, Eliette, pour cet entretien. Merci. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.